Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour la suite du Let's Play de Fable Anniversary sur PC. La dernière fois on s'est arrêté après avoir fini le camp des deux lames. Pourquoi il y a des papillons autour de moi? Attendez. Est-ce que ça veut dire que... Alors, est-ce que... Ah, je suis pratiquement à l'alignement parfait. Nice. Ah, j'ai pas voulu utiliser ça, c'est pas grave. Donc on va tout de suite aller voir Maz là-haut. Tu as trouvé ta sœur. Je n'aurais jamais imaginé qu'elle puisse vivre avec des bandits. Tu en as fait du chemin ces dernières années, n'est-ce pas? Les gens commencent à se demander quand ils te verront dans l'arène de Witchwood. Mais avant que tu ne partes, j'ai laissé une carte de quête personnelle. Une faveur, si tu veux. Un très vieil ami à moi a disparu. On l'appelle l'archéologue. Il est peut-être tombé sur quelque chose de gros, assez gros pour mettre sa vie en danger. D'après la rumeur, il se cacherait quelque part dans Witchwood, s'il n'est pas déjà mort. Utilise une porte de culisse pour t'y rendre, s'il n'est pas déjà trop tard. D'accord. Vous recevez une nouvelle quête. Au revoir. Voyons voir. Donc comme vous voyez, j'ai plus de vie, là je suis plus robuste, etc. J'ai utilisé mes points pour apprendre des sorts, etc. Mes capacités. Acheter du nouvel équipement, etc. Alors. J'ai fait aussi une quête solo, mais... Enfin une quête secondaire tout seul. Mais c'était pas grand chose, c'était retourner au camp des deux là, mais... Aller au camp des deux là, mais sauver trois marchands. C'était une bonne quête, donc j'ai faite. D'après la rumeur, il existe une épée dans Witchwood que seul un véritable héros peut avoir. Il paraît qu'un temple à Witchwood confère une force spirituelle, mais attention, certains dieux sont inconstants. Alors, la pêche. Première fois que vous allez me voir pêcher. Il faut spammer sa touche quand on ressent les vibrations. Maintenant. Là, il faut attendre. Puis avec le bruit. Le bruit de... Quand il n'y a plus de bruit, on appuie. Voilà. Enfin, je sais pas comment trop vous expliquer, il faudrait le faire pour comprendre, mais... Ouais, poisson lune, qui permet de faire tomber la nuit. Ah. Oula, c'est quoi au fond? Un bug? Ah oui, je sais c'est quoi. Ah si, il a de la vie. Ça va être chaud. Chaud mais faisable. Ah, pas chaud, juste au long. Bien. Il est très intelligent. Intelligent lui hein. Alors le
livre des zéros. Et là-bas, qu'y a-t-il? Ça, je sais pas c'est quoi, c'est le troisième que je vois. Ah, c'est pour ça que je voulais utiliser. Dommage. Ça consomme énormément de mana en plus, ce truc. Alors... pierre de Witchwood. Il est juste là. Des rails, quel rail? Allez, on pêche. Putain. C'est dur, hein. Je crois que c'est une clé ici. Ah, il faut pas que je soigne quand même, malade, c'est chaud. Celle-là, elle est vraiment dure à voir. On va se concentrer. Bientôt je l'ai eu, c'est bon. Alors c'était quoi? Juste une clé. Oulala. Elle est obligée d'être ouverte. Je n'ouvre qu'à ceux qui connaissent mon vrai. Une seule personne connaît. C'est bon, je connais déjà la réponse. Je connais déjà la réponse. Code c'est H, donc H c'est ici, c'est là, I, T, D, S, H, I, T, S, it, it en anglais, frapper. Comme ça tu as trouvé mon nom, bien joué, passe. Ça me fait pas rentrer tout de suite, tant mieux. On va pas rentrer tout de suite. Non, non, il faut aller au temple d'Avo, essayer de trouver. Des choses comme ça, mais bon. Faut pas moins de temps, je préfère directement faire la réponse. Essayer de voir s'il y a quelqu'un d'autre. Alors ici, il y a un coffre. Non, merci. Vous voyez, notre carrure a bien changé depuis le temps. Alors, allons voir l'archéologue. La caverne de Witchwood. Donc, vous m'avez trouvé. Oh, génial! Si vous pouvez me trouver, eux aussi. Je n'aurais jamais dû étudier les sites de pouvoir.
Comment pouvais-je savoir que Jack s'y intéressait aussi? Oui, Jack of Blades. Écoutez, je n'ai pas le temps de m'expliquer. Vous pouvez lire mon journal, je n'en ai plus besoin. Maintenant, je vais m'en aller. Je ne suis plus en sécurité ici. Hein? Merci à vous. Ah, cette voix. Ok. C'était rapide comme quête, hein. J'ai mieux. Toujours fouillé dans les tonneaux. Oh, là, il y a un rubis. Ouvrons le coffre. Est-ce que c'est son journal? Fiole de résurrection. Choisissez vos quêtes à la guilde. Oui, oui, il n'y a pas de problème. Clés, j'en ai pas assez. Allez-y. Allez, on sort. On va aller voir plus loin, qu'on ait une porte de Cully plus proche. Alors, il pleut fort. Donc, Jack of Blades s'intéresse au site de pouvoir. Ah d'accord. Je sais pas si on a déjà entendu parler des sites de pouvoir, mais on va bien voir. Temple d'Avo. C'est ici normalement qu'il fallait aller pour connaître le nom. Je crois qu'il fallait donner 10 000, enfin de l'argent, pas sûr. Alors voyons voir ici. Connaissez-vous la légende de l'épée? Un géant nommé Yu, chevalier de l'ancien royaume, portait une lame exceptionnelle. Elle coupait les monstres, les démons et les gens comme du fer. Elle avait un pouvoir que les mortels ne pouvaient contrôler. En mourant, Yu la plongea dans un roc, et nul ne parvint jamais à l'extraire. Ah, Excalibur. D'après la légende, seul un homme fort comme Yu peut arracher l'épée au roc. Je crois qu'il faut que j'ai la force 6 ou 7. J'ai peut-être pas assez de force. Allez, vous pouvez le faire. Yu savait ce qu'il faisait, c'est sûr. Bonne chance pour la prochaine fois. Je vais économiser pour de la force maintenant. Prenez un peu l'air. On essaye de retirer les... Cette épée est un... Ah, hey oui, il faudrait quelqu'un de... J'aimerais essayer... Il faudrait quelqu'un... Je reviendrai ici quand j'aurai assez de force. Et j'économiserai pour passer en force 6 ou 7. Cette épée m'intéresse pour toi. Une bonne lame pour vous assister ? Mais non, j'ai pas envie d'utiliser mon argent pour t'aider, toi. Fiole de résurrection encore... malheureusement j'en sais. Au temple de la lumière. Les donateurs. Une offrande. Allez, 500, je sais combien il faut donner, beaucoup. Hein. Non, non, je vais en donner 100. Vos récompenses. Je sais combien il faut donner. Mais c'est beaucoup trop cher. Donner 300 000 en étant gentil, alors 300 000 ou 100 000, je sais plus, et en étant méchant, c'est 30 000 ou 40 000. Magnifique. Ravi de vous servir. Ça, je fais juste ça pour avoir plus de charme. Il y a de plus en plus de ces maudites bâcheries.
Ah, la reine est là-haut, d'accord. On va s'y diriger d'abord. Je pense qu'on va faire une vidéo un peu plus longue cette fois-ci. Non, madame la Wolverine, reste calme. Ah d'accord, t'es comme ça toi. Des choses intéressantes ou pas? Que dalle. Il y a de plus en plus de ces maudites Wolverines. Et la babale. Viens ici la Wolverine. Bravo. Je crois que normalement il faut faire des aussi des missions pour pouvoir continuer, pour avoir plus de renom et continuer. Et comme moi je les fais tous. On fait un peu de visite. Hein. Finalement elle sera pas aussi longue, on fait juste la visite et ensuite quand on aura visité le plus de choses possible on s'arrêtera là et je prendrai les quêtes qui sont à la guilde. Voici Knossol Glay. Le village est attaqué par des Wolverines. Ses portes sont donc fermées pour l'instant. Revenez à la guilde pour prendre une quête et les aider. Déjà tuer ces Wolverines. Alors la dernière Wolverine, où est-elle? Elle est juste au-dessus de moi. Si vous voyez rien, moi non plus. Je ne prends aucun dégât, c'est hallucinant. Alors, que veut-elle cette porte? Si tu peux me... Ah, avec une flèche, d'accord, je sais comment on peut faire. Mais... ça, ce sera plus tard. Bah non, finalement, on va aller tout de suite aller à la guilde, on va s'arrêter là. On va voir si on doit parler à quelqu'un avant. Non, bah donc, voyons voir les quêtes qu'on va faire. Je ferai cette mission. Donc, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à laisser un commentaire, un j'aime. Et surtout, vous abonner à la chaîne. C'était TheusDev pour le JT Ball HD. Passez une bonne journée, une bonne soirée. Et vive les jeux vidéo.